Bonsoir. Bonsoir. On termine le cycle avec un dialogue un petit peu plus léger que ceux des deux semaines précédentes, un petit peu moins d'ontologie, un petit peu plus de philosophie pratique, puisque le thème du dialogue qui s'appelle Philebe, c'est le plaisir. Et donc c'est un dialogue qui va se passer entre trois personnages, mais parmi ces trois personnages, finalement, celui qui intervient le moins, c'est Philebe, celui qui donne pourtant son nom au dialogue. Les personnages principaux, c'est Socrate et Protarque. Protarque et Philebe sont deux jeunes gens qui interrogent Socrate sur ce qu'est la vie la meilleure pour un être humain. Donc comment réaliser la vie bonne, autrement dit, comment être heureux. C'est la même chose, être heureux, c'est avoir une bonne vie, une belle vie, une vie heureuse. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Et les deux jeunes gens soutiennent que ce qui rend la vie heureuse, c'est le plaisir. Mais le plaisir, il faut le prendre dans un sens très large, c'est-à-dire c'est tout ce qui nous réjouit, tout ce qui nous fait, qui nous donne du bien-être, de la joie, de l'allégresse. Donc c'est tout ça, le plaisir. Et une des raisons pour lesquelles ils soutiennent que c'est bien ça qui est le principal ingrédient d'une vie heureuse, c'est qu'en fait, tous les animaux, pas seulement les humains, mais tous les animaux poursuivent à chaque instant le plaisir dans toutes leurs actions et au contraire évitent au maximum la souffrance. Et donc ça prouve que pour tout le monde, pour tous les animaux, le meilleur, c'est le plaisir. C'est ce qu'on cherche le plus et donc ce qu'on cherche, c'est toujours ce qu'on estime être bon pour nous. Donc ce qu'on estime être bon, c'est le plaisir. Alors c'est une théorie du plaisir qui est très répandue et qui va devenir tout à fait célèbre avec Épicure, qui vient deux générations après Platon, à peu près deux générations humaines après Platon. Donc cette théorie existait déjà bien avant Épicure. Et Socrate, alors à l'inverse de ces jeunes gens, soutient au contraire que ce qui rend la vie la plus heureuse, c'est tout ce qui appartient au domaine de l'intelligence, bon, sans surprise. Donc aussi bien la science, la pensée, la réflexion, l'opinion droite même, et il met même de ce côté la mémoire. Alors il rassemble tout ça sous un terme très général qu'on a déjà rencontré à l'occasion, et qui s'appelle, c'est un verbe phronein. Phronein, c'est un verbe à champ sémantique très large, mais qui signifie en gros toute considération intellectuelle, toute réflexion, toute interrogation construite, délibération. On le traduit parfois par sagesse, mais de nouveau dans un sens très large, du fait d'être attentif aux choses, ne pas s'engager spontanément. Enfin bon, tout ça, c'est le phronein. Mais il utilise aussi le terme beaucoup plus précis pour dire pensée et intelligence dans le sens le plus intellectuel du mot. Comment est-ce que l'un et l'autre vont défendre leur thèse? Le dialogue commence au moment où Philebe, justement, a renoncé à discuter avec Socrate. Bon, on comprend qu'il est fatigué d'argumenter, et donc c'est Protarque qui prend la relève. Et la première étape dans le dialogue, c'est simplement de montrer que cette opposition entre deux types de vie, l'une qui est centrée autour du plaisir et l'autre autour de l'intelligence, cette opposition ne doit pas être prise trop radicalement. Alors parce que premièrement, c'est très simple, l'intelligence aussi est un plaisir. Donc on ne peut pas séparer radicalement les deux. Mais de manière plus importante, personne, en fait, ne voudrait d'une vie qui serait exclusivement de plaisir ou exclusivement de pensée ou de connaissance. Et pour montrer que personne ne voudrait d'une vie de plaisir, parce que d'une vie de connaissance, c'est assez évident, mais une vie tout à fait dépourvue de plaisir, évidemment, tout le monde s'accorde à dire que personne n'en voudrait, mais c'est un peu plus compliqué pour une vie de plaisir. Et comment Socrate arrive à le faire accepter? C'est précisément parce qu'il a mis certaines choses, il a mis tellement de choses du côté de l'intelligence qu'il ne reste plus rien du côté du plaisir. Plus précisément, il dit comment est-ce qu'on peut éprouver du plaisir si on n'a pas l'opinion qu'on a du plaisir, ou si on ne pense pas avoir du plaisir. Autrement dit, ce qu'il cherche à exprimer par ce verbe, avoir l'opinion, penser que, c'est le avoir conscience. C'est avoir conscience. Et alors, une particularité du grec que je vous avais déjà signalé, qui va encore revenir plus tard dans le dialogue,
c'est qu'il n'y a pas de mot grec pour dire avoir conscience. C'est très curieux. Et il n'y en a pas, mais c'est un mot qui va se construire progressivement parce que les philosophes le cherchent. Ils en ont besoin, donc ils vont progressivement arriver à le développer. Mais jusque-là, on dit penser que, avoir l'opinion que, sentir que, ou éventuellement, on utilise la négation du verbe qui signifie il m'échappe que. Donc il ne m'échappe pas que, c'est que j'ai conscience. Mais c'est très curieux, ce manque sémantique-là. Bon, en tout cas, très clairement, pour notre argumentation, c'est bien ça que Socrate veut dire. Hein. Comment peut-on avoir du plaisir si on n'a pas la conscience du plaisir hein, ou l'opinion qu'on en a. Donc, il ajoute, si on n'a pas la mémoire non plus, puisqu'on l'a rangée dans l'autre type de vie, si on n'a pas la mémoire non plus, on ne peut même pas se souvenir d'un plaisir éprouvé auparavant. Or, se souvenir d'un plaisir, c'est aussi un plaisir, même s'il est un peu plus faible que celui qu'on éprouve au moment où on l'éprouve. Et de la même manière, on n'aura pas non plus l'anticipation d'un plaisir futur, parce que cette anticipation, c'est une forme de, c'est une forme de pensée, hein, c'est une pensée prévisionnelle ou une forme de calcul ou de raisonnement sur ce qui va pouvoir nous arriver. Il faut un raisonnement pour pouvoir dire, tiens, si je fais ça, il va m'arriver un certain plaisir. Donc si on n'a pas du tout de raisonnement, on ne peut même pas avoir non plus cette anticipation d'un plaisir futur. Autrement dit, le plaisir est pour ainsi dire impossible si on le coupe de certains éléments qu'on a mis de l'autre côté, hein, du côté de la réflexion, de la pensée. Donc déjà, il ne faut pas les séparer trop fortement. Et puisque personne ne voudrait d'une vie tout à fait dépourvue de l'un ou de l'autre, on s'accorde très vite pour dire que la vie bonne, la vie heureuse, c'est une vie mixte. Voilà, c'est une vie où il y aura un mélange des deux. Mais Socrate ne va pas abandonner sitôt, il dit aussitôt, mais j'aimerais bien savoir maintenant quel est l'ingrédient qui, dans ce mélange, s'approche le plus de ce qui est bon ? Lequel est-ce qu'on pourra dire le plus proche du bon en soi, hein, le plus proche de ce qui est vraiment bon ? Quel est l'ingrédient qui est responsable du fait que cette vie est bonne, ou le plus responsable, le plus la cause que cette vie est bonne, plutôt que l'autre ? Donc on va quand même essayer de les confronter, tous les deux. Et pour pouvoir faire cette confrontation, Platon passe par une digression ontologique, donc il va distinguer différents types d'étangs selon une distinction qu'on n'a pas encore rencontrée chez lui auparavant. Bon, ça va aller assez vite, je vous rassure. C'est une la première grande division qu'il propose, c'est il y a parmi tous les corps, parmi tous les étangs corporels, il y a de l'illimité et de la limite. Ou plus exactement, dans tous les corps, dans chaque corps, il y a de l'illimité et de la limite. Et donc, il propose que ce soit deux grands genres de l'étang, l'illimité et la limite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Un exemple d'illimité, c'est le chaud et le froid. Dans tout corps, il y a un certain gradient de chaud et de froid. Pourquoi est-ce qu'on les appelle illimités ? Ce n'est pas du tout parce qu'il y en a une quantité infinie. Pas du tout. Il y a une quantité qui est limitée au sens de, où elle n'est pas infinie dans un corps donné. C'est au sens où, entre le chaud et le froid, il n'y a pas de frontière précise. On ne peut pas dire à quel endroit s'arrête le chaud et à quel endroit commence le froid, et réciproquement. Il n'y a pas de frontière précise. Et Platon le formule aussi de cette manière, il y a toujours du plus et du moins. On est toujours dans un petit peu plus... on peut toujours avoir un petit peu plus de chaud, un petit peu plus de froid, et on ne sait pas exactement où mettre la frontière entre les deux. Donc ce ne sont pas des termes qui sont déterminés par eux-mêmes, déterminés au sens de, ils ont une définition stricte. On ne sait jamais exactement si on est déjà un petit peu dans le froid ou encore tout à fait dans le chaud. Il cite d'autres exemples du même type, comme le rapide et le lent, par exemple. Rapide et lent, ce qui est un petit peu plus lent est un petit peu moins rapide, mais à quel moment ça cesse tout à fait d'être lent pour devenir tout à fait rapide ? Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite. Donc par soi-même, ça n'a pas de limite. Même chose pour le sec et l'humide, même chose pour le grand et le petit. Donc tout ça, c'est de l'illimité. Ce sont des choses qui n'ont pas de frontière précise. Et ce qui vient y mettre justement une frontière, une limite, c'est une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement mesurer la chaleur, mais pour ça, il faut qu'on introduise une unité de mesure et qu'on la nombre, et qu'on introduise du nombre. Qu'on dise, voilà, on fixe que ceci est un degré et on peut mesurer autant de degrés de chaleur. Et là, on se met à avoir une limite précise.
mais c'est parce qu'on a introduit de la mesure et du nombre. Et donc voilà des exemples de limitants ou de limites, hein, des étangs qui limitent les autres, ce sont les mesures et les nombres. Toutes les mesures qu'on peut introduire, c'est du limitant. Donc on a déjà deux types d'étangs qui sont les illimités, hein, toutes ces sortes de choses qui n'ont pas de frontières précises, les limitants d'autre part, et puis on a aussi le mélange des deux, puisqu'on a dit il y a les deux dans chaque corps. Dans chaque corps, on a effectivement la possibilité de mesurer toute une série de choses, d'intensité, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. On a donc trois types d'étangs, et on doit encore en ajouter un quatrième, qui est la cause de ce mélange. Qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui réalise, qu'est-ce qui produit ce mélange dans les corps entre la limite et l'illimité? Et on ne sait pas encore très bien ce que c'est. C'est ça qui va donner lieu à l'étape suivante du dialogue. Pour savoir ce que c'est, Socrate prend appui sur l'opinion des sages ou des savants qui ont étudié l'univers physique. Et il dit, au fond, tous les sages qui ont étudié l'univers physique se sont accordés pour dire que cet univers a des mouvements réguliers, a des processus réguliers, et cette régularité leur vient d'une intelligence. Alors là, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais il a beaucoup forcé le trait pour arriver à dire « tous les sages physiciens ont estimé qu'il y avait une intelligence qui réglait les mouvements de l'univers ». En fait, c'est plutôt une infime minorité, comme on l'a vu à propos des présocratiques. La plupart des physiciens présocratiques estiment qu'effectivement, il y a une régularité de mouvements et de processus dans l'univers, mais cette régularité, la plupart l'attribuent ou au hasard, ou à des propriétés intrinsèques de la matière, donc à des formes au fond de spontanées, et pas du tout à une intelligence qui s'ajouterait à leur matière. C'est plutôt l'exception, par exemple chez Anaxagore, hein, le fait d'avoir pensé qu'il y a une sorte d'intelligence cosmique qui justement établit les déterminations de chaque élément. C'est bien Anaxagore qui l'a dit, et il l'a dit d'une manière très proche de ce que Socrate vient d'exposer à propos des illimités et de la limite. Bon, le problème c'est que dès que l'interlocuteur a dit d'accord à Socrate, ça lui permet de continuer. Protarque aurait dû l'arrêter et dire il n'y a pas du tout accord sur ce point, bien au contraire, mais il ne le fait pas. Et ça permet à Socrate de dire quelque chose, un coup de force encore plus violent à la suite, c'est que, il dit, puisque en fait nos corps, à nous, êtres humains, nos corps sont composés d'éléments qui se nourrissent des éléments de l'univers entier. C'est-à-dire que nos éléments corporels sont les mêmes que les éléments qu'on trouve aussi dans tout le reste de la nature et de l'univers. Donc on leur emprunte en quelque sorte hein, ces éléments et on n'arrête pas d'en emprunter puisqu'on respire de l'air, on absorbe des nourritures qui nous viennent de la nature. Donc on puise nos éléments corporels dans la nature. Alors dit-il, il faut qu'on puise aussi notre âme dans une âme cosmique, hein, dans une âme du tout. Analogie plus qu'audacieuse, évidemment, il n'y a pas de raison à cette déduction. Mais encore une fois, malheureusement, Protarque ne proteste pas, et tant qu'il ne proteste pas, on continue le dialogue. Donc, on est obligé d'admettre, alors il appuie par un argument supplémentaire, mais toujours aussi mauvais, qui est, sinon, pourquoi la nature aurait-elle placé une âme seulement en nous, et pas dans tout le reste de l'univers qui est beaucoup plus puissant que nous? Hein, mais évidemment, c'est un mauvais argument, parce que ce n'est pas parce qu'une chose est plus puissante qu'elle doit nécessairement être animée. Et il n'y a pas de raison pour laquelle ce ne soit pas dans une très petite partie, même une partie infime et insignifiante de l'univers comme nous sommes nous, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas là seulement que la nature ait mis de l'âme. Pourquoi pas? C'est bien ce qu'on pense actuellement. Enfin, en tout cas pour autant qu'on connaisse. Mais bon. On passe puisque l'interlocuteur n'a pas protesté. Et donc, en fait, Socrate peut conclure que, par conséquent, ce qui est responsable du mélange des éléments et de leur proportion dans ce mélange, c'est-à-dire de la mesure, c'est de l'intelligence. Hein, donc, dans tout l'univers, c'est l'intelligence qui est responsable du fait que le mélange est équilibré, que les mélanges corporels sont équilibrés et donc que les corps sont stables. Et donc, c'est la même chose aussi en nous. Donc, on a trouvé le quatrième étang qui est la cause de ce mélange d'illimité et de limite, c'est l'intelligence, hein, en nous comme dans l'univers.
Donc ça donne déjà un petit avantage à l'intelligence dans son opposition au plaisir, dans sa confrontation avec le plaisir. Mais il s'agit maintenant d'analyser plus profondément le plaisir pour comprendre comment il surgit et quel est son rapport justement avec le mélange, quel est son rôle dans le mélange corporel ou corps-âme du corps humain. Donc, comment se produit le plaisir? On a toute une analytique qui part de la sensation. Et d'abord, la sensation, Platon fait remarquer qu'il y en a certaines qui ne sont pas conscientes. Donc revient de nouveau cette nécessité de dire le mot conscient. Et comment il l'explique? Il dit simplement, il y a des sensations qui se perdent dans le corps, puisqu'elles arrivent par nos organes sensoriels, elles se perdent dans le corps et n'arrivent jamais à l'âme, dit-il. Et ne pas arriver à l'âme, donc on ne s'en aperçoit pas. Ça veut dire qu'elles n'arrivent pas à la conscience. C'est tout à fait clair que c'est bien ça qu'il veut dire. Donc elles n'arrivent jamais à la conscience, et alors il propose qu'on ne les appelle pas des sensations, justement. C'est-à-dire qu'on appelle sensation seulement ce qui, passant par nos organes sensoriels corporels, arrive jusqu'à notre conscience. Donc une sensation est toujours consciente, disons par convention, on l'établit par convention. Alors ensuite, ces sensations conscientes sont sauvegardées en nous par ce qu'on appelle la mémoire. Elles sont sauvegardées en nous, donc elles sont maintenues, on les garde quelque part, on les conserve. Ces sensations, on peut se les rappeler. Et donc le mouvement d'inscription de ces sensations en nous, c'est ça la mémoire. Et donc il faut distinguer la mémoire au sens de cette sauvegarde, c'est le grec mnémé. Et le rappel d'une sensation éprouvée précédemment, mais dont on a perdu la conscience entre-temps. Donc le fait de se ressouvenir de quelque chose dont on a perdu la conscience entre-temps, ça s'appelle, on peut dire la réminiscence, on peut dire aussi l'anamnèse. Le mot grec, c'est anamnesis. Anamnesis, donc c'est très intéressant comme composition de mots parce que la désinence 6, c'est toujours une action. Elle est toujours utilisée pour signifier une action. Donc c'est une action d'aller rechercher la mémoire, le mnè de mnémé. Et le ana, ça veut dire remonter. Donc on fait remonter la mémoire de manière active. C'est ça l'anamnèse, faire remonter la mémoire de manière active. Donc on a cette possibilité désormais de se rappeler une sensation. Et cette mémoire, dit Platon, elle est nécessaire pour qu'il y ait désir. Et on va montrer ensuite qu'il est nécessaire qu'il y ait désir pour qu'il y ait plaisir. Donc voilà comment on arrive à l'enchaînement jusqu'au plaisir. Une sensation, on a une mémoire, et ensuite cette mémoire va rendre possible le désir. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la mémoire pour le désir? Eh bien parce que le désir, ce n'est pas simplement un manque du corps. Certes, il faut qu'il y ait un manque. Il faut qu'il y ait, il dit même, un vide. Il faut qu'il y ait un vide qui perturbe l'équilibre du corps. Et là, Socrate, très clairement, même si c'est implicite, s'appuie sur l'ancienne médecine, parce que l'ancienne médecine, elle fonctionnait vraiment de cette manière-là. Il y a un équilibre des éléments du corps, et une maladie, c'est une rupture de cet équilibre. Il y a des éléments qui dominent, d'autres qui manquent. Et donc, en fait, il faut, en premier lieu, essayer de rétablir cet équilibre. C'est ça, les soins médicaux, c'est rétablir cet équilibre. Tout manque du corps, donc, suscite une souffrance. Par exemple, le manque de nourriture, c'est, la faim est une souffrance, le manque d'eau, la soif est une souffrance, etc. Donc il prend toujours des exemples corporels très simples de ce type-là. Mais ça, ce n'est pas encore le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut que s'ajoute à ce vide la représentation de ce qui va venir combler le vide. Parce que le désir est toujours le désir d'un objet précis. C'est toujours le désir de l'objet qui va venir assouvir ce manque, qui va venir le remplir, le compenser, et qui donc va nous donner la solution à la souffrance. Le désir est toujours d'un objet précis. Donc ce n'est pas simplement le manque. Et pour qu'on puisse se représenter un objet précis qui va combler le manque, il faut qu'on le connaisse déjà, c'est-à-dire il faut qu'on l'ait déjà éprouvé. Et voilà pourquoi intervient la mémoire. C'est la mémoire qui va nous rappeler que la même souffrance a déjà été résolue par un certain type d'objet. Et c'est ça qui va nous permettre de désirer ce type d'objet et donc de résoudre à nouveau notre souffrance.
Bon, donc voilà aussi qui justifie pourquoi il y a une nécessité de la mémoire du côté du plaisir. On ne peut pas le séparer l'un de l'autre. Et d'autre part, comment se fait l'anticipation? Alors, est-ce que justement le désir de l'assouvissement produit toujours une anticipation du plaisir qu'on va avoir? Eh bien, pas nécessairement, dit Platon. Il fait remarquer que pour que le désir comporte déjà une anticipation du plaisir, il faut qu'on ait l'espoir d'obtenir cette chose qu'on désire. Si on a l'espoir de l'obtenir, alors l'anticipation est déjà un plaisir. Mais si on n'a pas l'espoir de l'obtenir, alors non seulement on continue à éprouver la souffrance, mais vient s'y ajouter une autre souffrance qui est le regret. Parce que comme on sait qu'on a déjà eu ce plaisir et qu'on ne l'aura plus, la souffrance est doublée de celle du regret. Donc c'est encore pire. Donc c'est très intéressant de voir que tout désir, évidemment, n'est pas nécessairement une anticipation d'un plaisir. C'est une anticipation d'un plaisir si on a bon espoir d'arriver à l'assouvir. Sinon, c'est encore pire que d'avoir seulement le manque. Alors, on va se resservir en fait de ces éléments distinctifs dans la suite du dialogue. Bon. Par la suite, ce que voudrait bien mettre à l'épreuve Socrate, c'est de vérifier si des plaisirs peuvent être vrais ou faux. Parce que du côté de la vie intellectuelle, se trouve évidemment le vrai et le faux. On a des pensées vraies ou fausses, des opinions vraies ou fausses. Et donc, il voudrait bien savoir si du côté du plaisir, on peut aussi se revendiquer du vrai et du faux. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des plaisirs bons et mauvais. Bon, ça, c'est pas difficile à illustrer. Des plaisirs mauvais, c'est par exemple le plaisir de la cruauté, le plaisir de se réjouir du malheur d'autrui, enfin, ce genre de plaisir-là. Tout le monde est d'accord que c'est mauvais. Ou des plaisirs nuisibles, si on se fait plaisir d'une manière qui nous détruit ou qui détruit les autres. Donc, bon et mauvais, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y en a aussi de vrais et de faux? Et Socrate va vraiment s'attacher à montrer que, oui, c'est possible de dire qu'il y a des plaisirs vrais ou faux. Et il va parcourir pour ça quatre arguments différents qui ne sont pas tous d'une qualité, d'une validité extraordinaire. Le premier argument, c'est que on peut avoir, quand on a une opinion vraie ou fausse à partir d'une sensation, quand on a une opinion donc, sur ce que c'est, ce qu'on voit, cette opinion peut être accompagnée d'une certaine image. Il donne un exemple très concret. Dans un buisson, je vois une forme humaine, mais je ne suis pas sûre, je ne vois pas assez bien pour savoir si c'est un homme ou une statue. Si je n'ai pas la possibilité de le vérifier tout à fait, je peux néanmoins en garder une opinion, une opinion dont je ne suis pas tout à fait sûre qu'elle est vraie ou fausse. Et à cette opinion, j'attacherai donc l'image correspondante. Ce n'est pas l'image que j'ai vue, parce que l'image que j'ai vue ne m'indiquait pas si c'était une statue ou un homme. Mais c'est une image reconstituée à partir de l'opinion que j'en ai. Si je me dis « c'est sûrement une statue », j'aurai l'image d'une statue dans ce buisson. Si je me dis « c'est probablement un homme », j'aurai l'image de l'homme dans ce buisson. Donc c'est une image reconstituée, c'est une image imaginaire, justement, reconstituée à partir de la sensation. Et cette image, elle peut être vraie ou fausse. Parce que si c'est bien l'image de ce qu'il y avait dans le buisson, elle est vraie. Si ce n'est pas l'image de ce qu'il y avait dans le buisson, elle est fausse. Donc l'image peut être vraie ou fausse, de même que l'opinion. Or, il y a des images de ce type aussi qui sont par rapport au futur, qui sont des anticipations d'un objet futur. Et ce sont des espoirs à ce moment-là, des espoirs imagés. Je peux avoir une image d'un objet que j'espère obtenir. À ce moment-là, c'est donc cet espoir. Socrate essaye de montrer qu'il peut aussi être vrai ou faux, en disant que c'est l'image qui est un espoir, elle est un plaisir, puisqu'on a montré que l'espoir était un plaisir. L'espoir en tant qu'anticipation d'un plaisir est déjà un plaisir. Donc, si on montre que l'image d'un espoir peut aussi être un plaisir, il suffit de montrer qu'elle peut être aussi vraie ou fausse. Et alors là, pour montrer ça, il va chercher une sorte de bon sens traditionnel ou d'expression traditionnelle qui dit que les hommes aimés des dieux ont des espoirs vrais et les hommes qui ne sont pas aimés des dieux ont des espoirs faux. Alors, homme aimé des dieux, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous traduisez en langage contemporain, ça veut dire ceux qui ont de la chance. Ceux qui ont de la chance, leurs espoirs sont vrais. Pourquoi? Parce qu'ils vont se réaliser. Ceux qui n'ont pas de chance, leurs espoirs sont faux parce qu'ils ne vont pas se réaliser.
Et donc, le vrai et le faux sont de nouveau liés à la chose est-elle réelle ou non. Un espoir faux, c'est un espoir qui se projette dans une chose qui ne sera jamais réelle, donc il est faux parce que la chose n'est pas réelle. Et un espoir vrai, c'est un espoir qui projette une chose qui va être réelle, qui va se réaliser. Donc c'est pour ça que le vrai est de nouveau lié à la réalisation. Alors la seule petite nuance par rapport à l'exemple de la statue et de l'image vraie ou fausse de ce qu'il y avait dans le buisson, la seule nuance, mais elle est d'importance, c'est que par rapport au futur, par rapport à l'avenir, est-ce qu'on peut dire que une représentation présente de l'avenir est déjà vraie ou fausse ? Il y aura tout un débat à ce propos sur est-ce qu'on peut dire que le possible, si quelque chose qu'on imagine dans l'avenir est possible, est-ce que ce possible peut déjà être dit vrai ou faux ? Et ce débat va déboucher, notamment chez Aristote, sur un argument assez puissant contre cette possibilité de dire qu'un événement futur est vrai ou faux. Il dit « on ne peut pas dire… » Enfin, une phrase qui, au présent, dit ce que sera le futur n'est pas encore ni vraie ni fausse. Elle n'est encore ni vraie ni fausse parce que, du moins, en ce qui concerne les événements humains, il y a indétermination du futur. Il y a indétermination du futur. Donc, ce qu'on dit maintenant du futur n'est encore ni vrai ni faux. Donc, voilà le premier argument de Platon mis, en fait, en défaut. Alors, par Aristote qui viendra un peu plus tard, mais les débats ont commencé avant. Donc c'est quelque chose d'un peu, disons, controversé, ce premier argument sur lequel s'appuie Socrate, pour essayer donc, je vous rappelle, d'établir qu'il y a bien des plaisirs faux et vrais. Donc il passait ici par ce plaisir particulier qu'est l'espoir. Et donc en montrant que l'espoir peut être vrai ou faux, il voulait montrer qu'il y a au moins un type de plaisir qui peut être vrai ou faux. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est il est fondé sur le fait que l'intensité d'un plaisir ou d'une douleur augmente proportionnellement avec le plaisir ou la douleur qui lui est correspondant. C'est-à-dire que quand on a faim, c'est une douleur. Mais le plaisir qu'on a à manger est proportionnel à cette faim. C'est-à-dire, plus on a faim, plus on a de plaisir à manger. Les deux, pendant un certain temps, sont coexistants. Les deux sont coexistants parce que pendant un certain temps, on a encore faim et on commence déjà à avoir le plaisir. Mais par rapport à l'anticipation maintenant de ce plaisir qu'on aura de manger, quand on a, plus on a faim, plus l'anticipation même du plaisir nous donne déjà du plaisir. Plus on a faim, plus le fait de savoir qu'on va bientôt manger nous donne du plaisir. Je ne devrais peut-être pas parler de ça à cette heure-ci, mais bon. Et donc, l'intensité augmente proportionnellement. Et inversement aussi, plus on anticipe ce qu'on va pouvoir manger et qui nous fera plaisir, plus la faim augmente aussi. Et donc, qu'est-ce qui est faux alors dans ces plaisirs ? Eh bien, toute la partie qui est augmentée artificiellement par notre imagination, on peut estimer qu'elle est fausse par rapport au vrai plaisir qui est celui du corps ou par rapport à la vraie douleur qui est celle du corps à ce moment-là. Le corps est dans un état objectif de manque, il y a un état objectif du manque, mais tout ce qu'on y rajoute par l'imagination de ce qu'on va pouvoir manger ou non, tout ça c'est du plaisir ou de la douleur rajoutée artificiellement. Et donc, dit Socrate, on peut appeler ça un faux plaisir ou une fausse douleur. Ah. Troisième argument. Le troisième argument consiste en fait en une réfutation d'une certaine théorie du plaisir, qui n'est pas celle de Socrate, on ne sait pas trop d'ailleurs qui peut être derrière cette théorie, une théorie selon laquelle le plaisir, c'est seulement l'absence de douleur. Donc en fait, quand on a vu au début que le plaisir, c'était la restauration de l'équilibre, cette restauration était évidemment un processus. C'est un processus qui mène de nouveau à l'équilibre. Et le plaisir est dans le processus, c'est-à-dire que le plaisir, c'est bien de manger. Ce n'est pas juste de ne pas avoir faim, le plaisir, c'est de manger pour assouvir justement cette faim. Et il faut avoir faim pour avoir le plaisir de manger. Donc, à ce moment-là, cette théorie-là, qui est celle de Socrate, c'est qu'il y a trois états différents. L'état de faim, l'état d'assouvir sa faim, qui est le plaisir, et puis l'état où on n'a ni l'un ni l'autre, parce qu'on n'a pas faim et on ne mange pas, donc on est dans un état neutre. Donc, ça, c'est une théorie de trois états. Mais ici, la théorie qu'il réfute, c'est une théorie qui ne reconnaît que deux états. Ou bien on est dans la douleur, ou bien on est dans le plaisir.
C'est l'un ou l'autre. Et donc, il suffit de ne pas avoir de souffrance pour avoir du plaisir, d'après cette théorie-là. Et elle est rapprochée, enfin, elle accompagne apparemment la thèse du mobilisme perpétuel. C'est-à-dire que elle s'appuie sur le fait que dans le corps, il y a constamment des mouvements, constamment des processus qui sont en train de se faire, et ces processus ou bien sont agréables ou bien désagréables, donc ou bien procurent de la souffrance ou bien du plaisir, mais c'est constant. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe et qui donc nous donne plaisir ou souffrance. La réfutation, c'est que, en fait, s'il y a bien effectivement des processus constamment dans notre corps, en revanche, ils ne sont pas tous conscients. Loin de là, la plupart des processus permanents de notre corps nous sont inconscients, nous ne les sentons pas. Hein, tous les processus physiologiques, hein, de circulation du sang, de battement de cœur, de machin, à moins d'un dysfonctionnement, on ne les sent pas. Donc, il y existe bien des états où on n'a ni douleur, ni plaisir de la part de notre corps. Donc, il faut refuser cette théorie selon laquelle le plaisir est seulement une douleur. Pardon, une absence de douleur. Et par conséquent, ces gens-là, lorsqu'ils croient que, parce qu'ils n'ont pas de souffrance, ils ont un plaisir, eh bien, ils ont un faux plaisir. Et voilà de nouveau un plaisir faux. Hein, voilà de nouveau une manière de montrer que le plaisir peut être faux. Puisqu'en fait, ils sont dans un état neutre quand ils n'ont pas de souffrance. S'ils croient qu'à ce moment-là, ils ont du plaisir, ils se trompent, ils n'en ont pas. Donc, c'est un faux plaisir. Donc, voilà de nouveau un troisième argument pour dire qu'il existe des plaisirs faux. Quatrième argument, et dernier, c'est qu'il existe plusieurs sortes de plaisirs. Et en particulier, il y a deux grands types de plaisirs importants. Il y a des plaisirs qui sont toujours accompagnés aussi d'une souffrance, parce qu'ils répondent à une souffrance, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, et c'est la majorité d'entre eux. La majorité des plaisirs, c'est justement la restauration d'un état qui était rompu par une douleur. Donc, ce sont des plaisirs qui vont avec une douleur. La majorité sont dans ce cas, c'est ce qu'il appelle les plaisirs mélangés. Et jusqu'ici, on a parlé de ceux du corps, mais c'est pareil aussi pour les plaisirs qui sont simplement des plaisirs de l'âme, ou on dirait peut-être des émotions ou des plaisirs de l'esprit. Et cite une série d'émotions comme la colère, la peur, l'amour, la tristesse, la jalousie, l'envie. Donc toutes ces émotions-là, qui ne sont pas des modifications corporelles, hein, enfin, même si elles peuvent les entraîner, mais qui sont des plaisirs, disons, de l'âme, enfin, des plaisirs ou des douleurs, bien sûr, sont chaque fois mélangés. Ils ne donnent pas une démonstration pour chacun. On pourrait s'amuser à le faire, hein. On pourrait chercher si, effectivement, on trouve chaque fois le correspondant. Je pense que pour l'amour, par exemple, c'est très évident que l'amour s'accompagne toujours de la peur, hein, de la peur de perdre ce qu'on aime, de la peur de ne plus l'avoir, de la peur de... Donc, bien entendu, l'amour est toujours accompagné d'une souffrance. Tout est une question de proportion, hein, en quelle proportion il y a le plaisir et la souffrance. Mais Platon fait une démonstration seulement à propos de l'envie. Et cette démonstration elle est devenue célèbre parce que ça lui permet de faire une digression sur la comédie, sur le plaisir suscité par la comédie, qui va inspirer notamment Bergson dans son essai sur le rire. Et donc c'est assez célèbre cette digression. Mais c'est bien pour montrer que l'envie, qui est une douleur, hein, l'envie c'est plutôt une douleur, hein, quand on envie quelqu'un, on souffre de ne pas avoir la même chose que lui, et bien elle est en même temps accompagnée de plaisir, d'un certain plaisir. Et ce plaisir, c'est le plaisir, justement, la réjouissance du malheur d'autrui, du malheur de celui qu'on envie. Donc on va se réjouir de lui chercher des malheurs s'il n'en a pas de réel. Et la comédie est une illustration de ça. Parce que le rire dans la comédie n'est pas suscité par n'importe quoi. En fait, la comédie antique, elle obéit à certains canons, exactement comme la tragédie. Elle ne suscite pas de n'importe quelle manière le rire. Elle est basée entièrement sur un certain type de ridicule. Et les personnages de la comédie sont ridicules. Platon ici est très très précis, hein, il décrit vraiment de manière très précise une sorte de diagnostic de la comédie. Les personnages sont ridicules parce que ce sont toujours des gens qui s'imaginent être plus qu'ils ne sont. Donc, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, plus qu'ils ne sont quant à leurs caractéristiques physiques ou capacités mentales ou
possession matérielle, enfin peu importe quant à quoi, mais en tout cas c'est des gens qui pensent avoir plus qu'ils n'ont, être plus qu'ils ne sont, et qui du coup tombent dans des tas de mésaventures, sont évidemment déconfits, sont trompés, enfin il leur arrive des tas de déceptions, et c'est de ça qu'on rit. Et c'est de ça qu'on rit, hein, de voir quelqu'un qui se prétend beaucoup plus qu'il n'est et puis qui du coup est complètement rabaissé. Donc c'est le prétentieux attrapé, enfin bon, c'est ça le ressort de la comédie. Et en plus, un autre critère indispensable, c'est que ces personnages ne soient pas trop puissants, ne soient pas des gens très puissants. Parce que si ce sont des forts et des puissants, alors, dit Platon, ils ne suscitent pas, donc quand ils ont trop de prétentions, ils ne suscitent pas le ridicule, il suscite la haine. C'est très bien observé aussi, hein. Pensez à ça. Je veux dire, si on s'imagine quelqu'un de très puissant qui, en plus, est prétentieux et s'imagine être plus qu'il n'est, ça ne suscite, on n'a pas envie d'en rire, on a envie de le mépriser, de le détester. Alors que si c'est quelqu'un, un pauvre plouc, là, qui s'imagine être... Bon, on a envie de rigoler. Hein. C'est très bien observé, je pense. Enfin, bon. Donc, pour montrer ce mélange qu'il y a, hein, dans le rire de la comédie, combien il y a de mauvais plaisirs, en fait. Combien il y a, en même temps, de douleur. Parce que, combien il y a d'envie, hein, dans ce rire, ou de supériorité malsaine. Et donc, en fin de compte, Socrate conclut, ce rire-là, il est injuste. Ce rire-là, il est injuste quand on rit de ce personnage, de ce type de personnage. Mais s'il est injuste, est-ce qu'on peut dire du coup qu'il est faux? Parce que c'est ça qu'on voulait démontrer au départ. Est-ce que pour autant il est faux? On ne peut pas le montrer, mais on peut montrer que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que les plaisirs qui ne sont pas mélangés à des choses, disons, néfastes, à des tristesses, à des émotions négatives, ceux qui n'y sont pas mélangés, on peut dire qu'ils sont vrais. Hein, donc on ne peut pas démontrer directement qu'un plaisir mélangé est nécessairement faux, mais on peut montrer que les plaisirs non mélangés sont vrais. Et comment on va le montrer? Les plaisirs non mélangés, c'est quoi d'ailleurs? Quels sont ces plaisirs qui ne sont pas des compensations pour une souffrance, hein, donc aussi dont l'absence ne crée pas une souffrance? Ce sont par exemple les plaisirs esthétiques, certains plaisirs esthétiques. Donc si le fait de voir quelque chose de beau, d'entendre quelque chose de beau, de sentir des parfums délicieux, mais qui ne sont pas liés à un besoin, donc pas un parfum de nourriture quand on a faim, bien sûr. Hein. Donc des parfums purement, uniquement beaux. Et bien sûr aussi les plaisirs intellectuels. Un plaisir intellectuel n'est pas lié à une souffrance, à condition toutefois, alors Platon prend bien soin de le préciser, à condition toutefois qu'on n'ait pas une fin de connaissance qui nous cause une souffrance. Et là, on a envie de se rappeler le banquet. Hein. Le banquet où il y avait, et le Phèdre d'ailleurs, ces deux dialogues où on voyait l'amant de la connaissance qui, comme un amant du désir amoureux, avait vraiment ce besoin, était vraiment dévoré par ce désir de la connaissance, au point que c'en était une forme de souffrance. Non ? Et donc on a l'impression que là, Platon, ou bien précise bien que ce n'est pas ça qu'il a voulu dire, ou bien rectifie ce qu'il aurait peut-être voulu un peu trop exprimer, un peu trop, disons, violemment dans le banquet. Mais en tout cas, il nous dit bien, la manière dont il faut mener la recherche intellectuelle, dont il faut approfondir ses connaissances, etc., ça doit être un plaisir pur. Ça ne doit pas nous manquer quand on ne la pratique pas. Ça ne doit pas nous dévorer comme un besoin. Donc voilà, pour cerner, hein, pour définir en gros ce que peuvent être les plaisirs non mélangés, donc des plaisirs purs, mais purs au sens de simplement dans lesquels il n'y a aucune douleur, hein, qui ne sont mêlés à aucune douleur. Mais pourquoi est-ce qu'on les dit vrais? Eh bien, c'est en vertu d'une analogie avec les couleurs. Si on prend par exemple les couleurs et qu'on se dise qu'est-ce que c'est qu'un blanc qui soit vrai, un vrai blanc? Eh bien, un vrai blanc, c'est un blanc qui n'est pas mélangé à une autre couleur. C'est un blanc dans lequel il n'y a aucune quantité, aussi minime soit-elle, d'une autre couleur. Et même s'il n'y a pas beaucoup de blanc, pourvu qu'il ne soit pas mélangé à une autre couleur, on dira qu'il est plus vrai qu'un blanc qui est en beaucoup plus grande quantité, mais dans lequel il y aurait un tout petit peu d'une autre couleur. Le vrai blanc, c'est celui qui est pur. Donc, le vrai plaisir, c'est celui qui est pur. Alors, vous voyez le genre d'argument, hein,
toujours se méfier des analogies. Évidemment, rien ne justifie qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Mais bon, Socrate le fait et Protarque ne proteste pas. Donc, de cette manière aussi, Socrate a l'impression qu'il est arrivé à montrer qu'il y a bien des plaisirs vrais et des plaisirs faux. Et donc, muni de cette construction, il retourne à sa question de savoir en quoi est-ce que le plaisir contribue à la vie bonne et quel est son rapport donc avec le bon en soi, avec ce qui est vraiment le bon. En quoi est-ce que le plaisir est proche du bien ? Enfin, du bien au sens de bon, bon en général. D'abord, est-ce qu'on peut dire que le plaisir s'identifie au bon ? C'est ce qui était la thèse des deux jeunes gens au départ. Leur plaisir, c'était que ce qui est bon dans la vie humaine, c'est le plaisir. Donc, est-ce qu'on peut dire ça ? Ce qui est bon, c'est le plaisir. Identification complète. On ne peut pas le dire pour deux raisons. La première est très évidente, c'est qu'il y a des tas de choses qui sont dites bonnes et qui ne sont pas des plaisirs. Par exemple, le courage, l'intelligence, la vertu en général, ce sont des choses bonnes, ce ne sont pas des plaisirs en elles-mêmes. Les vertus ne sont pas en elles-mêmes des plaisirs. Donc déjà, il n'y a pas d'identification totale puisqu'il y a des choses qui sont bonnes et qui ne sont pas des plaisirs. Alors, d'autre part, il n'y a pas non plus d'identification pour une raison plus technique, qui est qu'on a considéré le plaisir comme un processus. Quand on disait un rétablissement de l'équilibre, c'est bien un processus qui prend un certain temps, une certaine transformation du corps ou de l'âme. Et tout processus, dit Platon, doit être distingué de son terme, de son but, de ce vers quoi il va. Et donc, ce qui est visé par tout processus, sa fin, son terme, ce en vue de quoi il a lieu, c'est toujours quelque chose de bon. C'est-à-dire que chaque fois qu'on entreprend un processus, c'est pour viser, un processus en tout cas qui est visé, c'est toujours parce qu'on estime qu'il va déboucher sur quelque chose de bon. Donc il faut distinguer le processus lui-même, qu'on a appelé le plaisir, et le terme visé par ce processus, qui est ce qui est bon. Et il utilise, pour les distinguer tous les deux termes genesis et ousia. Alors c'est vraiment c'est significatif parce que la genesis, la genèse, ou c'est genèse ou bien devenir. Donc le processus, c'est un devenir, ou c'est une genèse au sens de l'apparition de quelque chose. Ça s'oppose à l'ousia, qui est l'état réalisé, qui est l'être, en fait. L'ousia, l'être, donc c'est l'état qui a été apporté par ce processus. Ici, on peut dire qu'il y a une apparition ou une venue à l'être de quelque chose, et puis une fois qu'on est arrivé à ce que ce soit apparu, ben, ça devient une ousia, c'est un être réalisé. Il prend l'exemple, d'ailleurs, d'une construction, exemple tout à fait trivial, la genesis d'une maison, c'est sa construction, et puis une fois que la maison est faite, elle est en ousia, elle existe, elle est dans l'existence, elle a un être de maison qui est réalisé. Donc le plaisir, il serait du côté de la genesis, tandis que le bon serait du côté de l'ousia. Et en fait, implicitement, vous voyez le rapport avec la théorie habituelle de Platon, qu'il oppose l'univers physique qui est en devenir, aux idées qui sont des ousiaï, c'est-à-dire qui sont des êtres fixes, stables, qui n'ont aucune modification, qui n'ont pas besoin justement de devenir. Et cette opposition donc recouvre celle de plaisir d'un côté, donc il met bien le plaisir du côté du devenir, et le bon de l'autre côté, donc du côté évidemment de l'ousia, de l'être, des idées. Mais ça c'est implicite, mais rien n'est fortuit. Le choix de ces termes n'est pas du tout fortuit. Donc ceci, cette distinction entre le plaisir comme processus et puis le bon comme ce qui est la fin du processus, on peut cependant le critiquer, on peut critiquer cet argument en disant que le bon n'est pas... S'il est vrai que tout ce qu'on vise est bon, ou en tout cas est bon pour celui qui le vise, En revanche, ce n'est pas non plus les seules choses qui sont bonnes. On peut dire aussi que toutes les étapes qui mènent à ce qui est bon sont bonnes aussi. Donc on pourrait dire parfaitement, le plaisir aussi est bon, alors qu'il mène à des étapes, alors qu'il mène à quelque chose de distinct de lui qui est le bon. Mais ça n'invalide pas
ça n'invalide pas la raison pour laquelle Socrate introduit l'argument, puisqu'il veut simplement dire que ça ne se confond pas, hein, que le bon ne se confond pas avec le plaisir. Donc même si le plaisir est quelque chose de bon, il n'empêche que d'autres choses aussi sont bonnes. Alors maintenant, il s'agit de savoir si, à l'inverse, l'intelligence se confondrait avec le bon. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que la vie bonne est entièrement déterminée par l'intelligence, que c'est vraiment l'intelligence qui nous mène à la bonté de notre vie et pas du tout le plaisir, puisqu'on a vu que le plaisir ne s'identifie pas à elle. Donc, est-ce qu'on peut identifier intelligence et le bon en soi ? Donc, l'intelligence, la pensée, la science, tout ça allait ensemble. Or, toutes ces choses, ça forme un ensemble très vaste dans lequel il faut aussi faire des distinctions. Et les premières distinctions, ce sera parmi les sciences, la distinction entre la part de science et de science appliquée, de technique, la part qui relève entièrement des données sensibles, donc tout ce qui est formé sur l'observation sensible, l'expérience, toutes les hypothèses qui nous viennent de la sensibilité et des corps, et d'autre part, ce qui, dans ces mêmes sciences et techniques, relève du calcul, de la mesure et en somme toute des mathématiques. Hein, donc dans toute science ou dans toute technique, il y a une partie de données sensibles et une partie mathématique. Et la partie mathématique sert justement à donner une exactitude à ces données sensibles. C'est exactement une reprise de l'illimité et de la limite. Hein. C'est une application de cette division illimité-limite. Donc toute connaissance ou technique a une partie déterminative qui fixe les choses, qui fixe les proportions, qui fixe les déterminations et qui est basée sur les nombres. Donc cette partie-là est meilleure. La partie qui limite, qui définit, est meilleure que l'autre. Mais elle doit à son tour être divisée en deux pratiques différentes. On peut pratiquer les mathématiques simplement comme des instruments d'application à autre chose. Donc on peut utiliser le calcul parce qu'on en a besoin pour d'autres choses. Ou bien on peut étudier les mathématiques en elles-mêmes, pour elles-mêmes, et donc faire des mathématiques tout à fait pures, non appliquées, tout à fait théorique. Et ça, c'est plus valorisé par Socrate, parce que c'est plus exact. Plus on se détache de la matière, de l'application à la matière, plus tout ce qu'on dira en termes de nombres, de tracés de lignes et de toutes les propriétés des nombres et des lignes, tout ce qu'on dira sera plus exact, hein, quand on est d'autant plus détaché du sensible. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, hein, qui est connu depuis longtemps. Le fait que, bien entendu, si on calcule la surface de cette table, cette surface est complètement irrégulière, la table est complètement irrégulière. Et tout corps sensible aura cette irrégularité. Alors que si on prend le rectangle abstrait à partir de cette table et qu'on le calcule de manière complètement abstraite, il pourra être parfaitement exact, hein, pour avoir une division avec... au millième de millimètre près, hein, comme ceci, non. Donc tout ça est très connu. Donc plus on va vers l'exactitude, plus on va vers le vrai, hein, plus on gagne en vérité. C'est plus vrai de faire un calcul à partir de chiffres purs, hein, ou à partir de données abstraites, que de faire un calcul à partir de données sensibles qui sont irrégulières. Mais il n'empêche que, par rapport aux mathématiques et à leur vérité, à leur exactitude, il y a une science qui les dépasse encore, et c'est bien sûr la dialectique. Platon, fidèle à lui-même depuis la République, hein, la dialectique, elle est plus exacte encore et plus vraie. Pourquoi ? Ça, cette fois, c'est à cause de son objet. C'est parce que son objet est le plus précis, le plus déterminé, le plus stable de tous. Son objet, c'est les idées. Les idées, ce sont des étangs qui ne se modifient jamais, qui sont toujours exactement pareils à eux-mêmes, qui existent depuis toujours, qui sont immuables. Donc une fois qu'on arrive à saisir ces déterminations-là, c'est évidemment avoir l'exactitude absolue. Donc cette science-là est la plus vraie de toutes. Et à ce propos, à cette occasion, Platon dit « Comment pourrait-on avoir une science exacte de ce qui n'a aucune fermeté ?» Donc toutes les choses en devenir qui sont constamment en train de se modifier, comment est-ce qu'on pourrait en avoir une science exacte ? Comment avoir une fermeté, comment tirer une fermeté de ce qui n'est pas ferme ? Une stabilité de ce qui n'est pas stable. Et c'est une grosse question, un gros défi lancé à toute science de la nature. Hein, les choses naturelles,
n'ont pas de fermeté. D'où vient la fermeté de la science qui les étudie? Alors, je vais faire l'éloge d'Aristote qui a relevé ce défi dans sa physique et qui a montré justement comment on pouvait arriver à une grande exactitude dans l'étude de la nature en trouvant de la fermeté dans toute une série de choses, dans les régularités, dans ce qu'on appelle les lois de la nature, dans toute une série de principes aussi. On verra sans doute Aristote lors d'un autre cycle, mais c'est un défi. C'est très intéressant de voir comment le défi ici est lancé par Platon. Mais pour lui, il n'y a pas de réponse positive. Donc voilà une classification des sciences. Elles n'ont pas toutes le même degré de vérité. Et il faut en tenir compte, donc, quand on établit celles qui doivent être comprises dans une vie complète. Une vie complète, une vie heureuse, une vie qui se suffit à elle-même, qui n'a plus besoin de plus, donc qui est heureuse en ce sens qu'elle a atteint tout ce qu'elle cherche. Qu'est-ce qu'elle devra intégrer ? Est-ce qu'on peut, demande Socrate, est-ce qu'on peut se contenter d'y intégrer seulement les sciences les meilleures, dialectique, mathématiques seulement, et seulement les plaisirs les meilleurs ? Sur les sciences, ils sont tout de suite d'accord que la vie la meilleure, elle a besoin de toutes les sciences et de toutes les techniques. Elle ne peut pas se passer non plus de tout ce qui est appliqué. Donc il faudra les intégrer toutes. Mais en sachant qu'elles n'ont pas le même titre à être bonnes, elles ne sont pas aussi bonnes, aussi vraies que les unes que les autres. Quant au plaisir, est-ce qu'on doit procéder de la même façon? Est-ce qu'on doit dire qu'on a besoin de tous les intégrer pour que la vie heureuse soit complète? Et là, c'est différent. Les plaisirs sans douleur, bien entendu, on peut les intégrer tous. Plus on en a, plus la vie sera heureuse. Mais parmi les plaisirs mélangés, on ne retiendra que ceux qui sont nécessaires. Nécessaires, c'est-à-dire nécessaires pour l'entretien du corps, nécessaires pour la santé. Nécessaires, donc on a besoin effectivement du plaisir de manger pour assouvir la faim, on a besoin de tous ces plaisirs qui sont directement liés à la vie. Et cette distinction donc, de plaisir nécessaire et non nécessaire, évidemment, elle est célèbre chez Épicure. On la retrouve chez Épicure dans sa classification. On a aussi des plaisirs qu'il faut poursuivre et de ceux dont il faut se méfier. Donc, en fait, le Philebe, c'est vraiment un dialogue très fondateur pour toute cette problématique. Donc, on va intégrer seulement ceux-là dans la vie bonne. Et ensuite, on pourra se demander qu'est-ce qui réalise le mélange harmonieux, l'équilibre le meilleur possible entre tous ces ingrédients de la bonne vie. Puisqu'on a toute une série d'ingrédients différents, qu'est-ce qui réalise ce mélange? Est-ce que ce n'est pas cela qui sera considéré comme le plus responsable de la vie bonne? Puisque un mélange, ce qui fait qu'il est bon ou pas, c'est la proportion de ses ingrédients. Le mélange est bon si la proportion des ingrédients est bonne. Et à nouveau, donc, on est obligé d'introduire la mesure comme garant de cette bonne proportion de tous les ingrédients de la bonne vie. Donc il faudra avant tout que cette bonne vie soit mesurée, que ce soit une vie mesurée, où tous les ingrédients ne viennent pas dans n'importe quelle quantité et n'importe comment, mais qu'ils soient ajustés. Et cette métrétique, on peut dire une métrétique à partir de la mesure, métrone, cette métrétique des plaisirs, en fait, Platon l'avait déjà développée dans un dialogue de jeunesse, c'était Protagoras, dans le Protagoras. Mais il s'en était tenu simplement à une forme d'hédonisme avant la lettre, d'hédonisme très proche de celui que développera Épicure, c'est-à-dire d'ailleurs le raisonnement qui veut qu'il vaut mieux modérer certains plaisirs pour ne pas avoir de plus grands désagréments par la suite. Donc c'est une forme de calcul, c'est vraiment un calcul. Si je m'adonne totalement à certains plaisirs, je vais en éprouver des souffrances plus grandes par après, donc je fais mieux de m'abstenir. Et c'est juste pour cette raison-là, par une sorte de calcul bien compris, que je ne vais pas le faire. Donc, ce calcul, il l'avait déjà exposé. Mais ici, il ne s'en tient pas du tout à ça. Il dit, en fait, la mesure et la proportion, ce sont des facteurs de beauté. En fait, tout ce qui est mesuré et proportionné est beau. Le beau doit être proportionné pour être beau. Donc, on va intégrer la beauté comme garant du fait que la vie est vraiment heureuse. On a besoin de la mesure et de la beauté. Et on a besoin aussi de la vérité. Ce qui fait qu'on en arrive à classer tous ces ingrédients sur une série de rangs successifs à partir du tout premier rang
dont on a reconnu qu'il était le bon en soi. Donc qu'est-ce qui fait qu'une vie est bonne? Première chose, il y a le bon en soi. Aucune des autres choses ne peut s'identifier à lui. Mais celle qui occupe le deuxième rang, celle qui est le plus proche de ça, celle qui est le plus responsable dans la vie du fait qu'elle soit bonne, ce sera justement la mesure, la beauté et la complétude. Il faut qu'elle soit achevée, qu'elle soit complète, on l'a vu, pour être bonne, pour être heureuse. Donc ces trois dimensions-là, elles occupent le deuxième rang, elles sont les plus importantes. Le troisième rang est occupé par l'intelligence, par la pensée et en premier lieu par la pensée au sens strict, c'est-à-dire la connaissance des idées. Au quatrième rang seulement, on placera les autres sciences, celles qui sont appliquées, celles qui sont des techniques, celles qui sont en fait liées aux nécessités de la vie. Et on y ajoutera aussi les arts, hein, au sens de la musique, hein, musique, donc le culte des muses. Ce n'est pas seulement la musique, c'est en fait tous les beaux-arts. Donc on y ajoutera aussi ça parce que ça tient ce rang, ça a une certaine importance et on a vu que ça procurait des plaisirs purs. Et finalement, tout le reste des plaisirs, on les mettra seulement au cinquième rang. Le plaisir est seulement en cinquième lieu nécessaire à la vie heureuse. Et donc de cette manière, on a une classification très précise de tout ce qu'il faut pour être heureux. Et on voit bien que c'est Socrate qui l'a emporté, hein, c'est Socrate qui a emporté la discussion, que les deux jeunes gens n'ont pas pu défendre leur point de vue qui mettait le plaisir à la toute première place, mais qu'en même temps, ils sont obligés d'accepter, hein, ils sont à la fin du dialogue, ils disent qu'ils sont d'accord, enfin Protarque en tout cas dit qu'il est d'accord avec Socrate et qu'il est d'accord avec cette classification. Alors, toute cette théorie, justement, de la vie bonne, elle va avoir un succès dans l'histoire de la philosophie. Elle va être systématiquement reprise par tous les philosophes après et toujours à partir de ces ingrédients-là. Dans quel ordre est-ce qu'on les met? C'est-à-dire, sachant que le bonheur, c'est effectivement le bien que tout le monde poursuit, le bonheur, c'est bien le bien ultime, qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre au second rang? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va le mieux pouvoir servir le bonheur? Par quoi est-ce qu'on va le plus arriver au bonheur? Donc, et c'est là que les philosophies diffèrent de l'un à l'autre. Mais en tout cas, Socrate refuse absolument comme argument le fait que la majorité des vivants vise un certain type de bien pour être heureux. Il dit que ce n'est pas parce que la majorité des animaux se contentent du plaisir pour être heureux, ne connaissent pas en fait d'autres ingrédients que le simple plaisir corporel pour être heureux, ou la tranquillité, hein, ou l'absence de peur, etc. Bon, ça, ce n'est pas du tout un argument pour dire que dans une vie humaine, ce sont les arguments principaux. Hein, et donc là déjà, il y a une réfutation anticipée de beaucoup de choses qui seront développées par Épicure. C'est la fin du dialogue. Moi, j'aimerais bien défendre un peu les plaisirs mélangés. Je ne vais même pas m'aventurer sur le terrain de l'amour. Je vais prendre un autre plaisir qui est la musique. Je pense qu'une musique qui n'est pas un plaisir mélangé, ça peut exister, mais c'est une musique de divertissement, c'est une musique superficielle. Mais que ce qui fait le plaisir le plus profond dans la musique, à mon avis, c'est justement une tension. Alors c'est peut-être parce que ma période préférée, par exemple, en classique, ça va de Mozart à Chopin, mais je pense que dans la musique, ce qui provoque justement cette vibration, ce sentiment, c'est que la musique peut susciter un souvenir de souffrance, et d'une nostalgie, par exemple. Il n'y a rien de plus beau dans un mouvement de Mozart que le moment où on sent une éclaircie, un arc-en-ciel, après un moment très sombre, ou très triste, ou très lancinant, et puis tout d'un coup, la musique s'ouvre, et on sent vraiment un bonheur, un plaisir. Et c'est un plaisir mélangé, en fait, où en écoutant Schubert, si on écoute le chant du cygne, ou des choses comme ça, ou les impromptus, ou n'importe quel morceau de Schubert, en fait, le bonheur, le plaisir pensant, il provient d'une tension, d'une nostalgie, d'une certaine manière, mais d'une souffrance. Alors, c'est peut-être quelque chose de particulier à la musique romantique. Peut-être que le plaisir que peuvent ressentir des amateurs de Boulez est très différent. Ils n'ont pas besoin de ressentir cette tension. Moi, je l'ignore, ce plaisir-là, donc je ne peux pas vraiment en juger.
Mais je pense que la musique est quelque chose de très particulier de ce point de vue-là, et le plaisir est intrinsèquement mélangé. Une musique simplement qui est réconfortante, pour moi c'est une musique de fond, mais c'est pas le plaisir, le plus profond des plaisirs de la musique. Donc la profondeur du plaisir provient du mélange. Alors, les musiciens dans la fête, ils ont quelque chose de plus éclairé à dire. Oui, disons, c'est très difficile à cerner cette question-là. Bon, ça dépend évidemment des individualités qui reçoivent ce phénomène musical. Ça dépend de votre éducation, bon, etc. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, le phénomène musical a une répercussion sur nous dans la mesure où il y a effectivement un souvenir de quelque chose, que ce soit du plaisir, une tristesse, un non-plaisir. J'ai eu c'était une expérience unique dans ma vie de professeur. Je faisais écouter un jour, justement, c'était du Mozart, comme par hasard, bon, mais c'est pas parce que c'était Mozart, je pense que ça aurait. L'événement aurait eu lieu avec un autre morceau si une élève s'est mise à pleurer après une audition. Et bon, comme quand ils sont adolescents, il y a toujours des histoires de cœur, là, moi je voulais pas trop me mêler, n'est-ce pas, à ses pleurs, mais j'ai demandé à la copine, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas. Ah. Et j'ai fait venir cet élève à la fin du cours, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas rester comme ça. Mais c'est la musique que vous nous avez fait écouter. Alors là, bon, j'étais complètement abasourdi parce que c'était la seule et unique fois que ça m'était arrivé. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi ça t'a fait pleurer? Parce que ça m'a rappelé. Alors, à votre avis, un événement triste ou un événement heureux? Ben non, un événement heureux. Alors, bon, ça c'est quelque chose d'admirable, mais allez l'expliquer. C'est, bon, il y a une rencontre effectivement d'un souvenir avec cette musique-là qui a été entendu, n'est-ce pas, au moment d'un événement heureux. Après, il y a aussi le plaisir intellectuel d'une écoute musicale. Alors là, ça dépasse un peu, comment dire, on est à un niveau bien supérieur. Si je vous disais que c'est une expérience personnelle, mais je ne voudrais pas que cela soit senti comme, de ma part, comme quelque chose, comment dire, d'exceptionnel ou de me mettre en avant. Il m'arrive dans certaines, j'écoute certains morceaux de musique, que tout disparaisse autour de moi. Et je vais dire quelque chose qui va être monstrueux, que je deviens moi-même la musique qui est jouée. Parce que justement, plus rien ne me touche que ce que j'entends. Et c'est un état qui est très curieux, parce que il me semble parfois que je pressens ce qu'il va venir. Je suis vraiment le morceau, le phénomène sonore qui se développe là dans mes oreilles. Et quand on arrive à ce stade, n'est-ce pas, de dépouillement, finalement, dépouillement, hein, où on n'est plus soi-même, on est dans un lieu, dans un endroit qui est la musique. C'est difficilement explicable par des mots.
là, j'éprouve vraiment le... Enfin, c'est beaucoup plus qu'un plaisir. C'est bien au-delà du mot plaisir. C'est un état de grâce qui dépasse de loin disons, l'entendement, mon entendement personnel. Oui, dans l'abécédaire, Deleuze l'explique très bien à ce propos. J'avais retenu ça parce qu'il disait que pour les philosophes, c'était le concept. Pour les musiciens, pour les peintres, c'était l'affect. Et pour le percept, pardon, je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est. Alors, le percept pour les peintres et pour les musiciens, l'affect. Parce que ça se passait dans le temps, en même temps corporel de la musique qui... Ah oui, mais je crois que non, mais c'est juste pour essayer de schématiser ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire, pardon. C'est ça, je crois, la transcendance de l'art ou de la pensée. Exactement. La transcendance va à tel point que la musique se développant dans le temps n'existe plus. C'est ça. Si je voulais, être mathématique, bon, je commence mon registre maintenant, clac, je me chronomètre. Ça va durer une demi-heure. Mais dans ce que j'aurais vécu, entre guillemets, il n'y a pas eu une demi-heure. Il y a eu une éternité. Il y a eu très peu de temps, mais beaucoup de temps aussi. Je voudrais préciser quelque chose par rapport à ce que tu dis. D'abord, ton premier exemple, c'est il peut y avoir un plaisir mélangé, justement, et qui se nourrit d'un souvenir heureux qui fait pleurer. Donc, c'est vraiment la jonction d'une certaine tristesse et du plaisir. Et ça me fait penser, alors surtout ton deuxième exemple, ça me fait penser à quelque chose qui n'est plus de l'ordre du plaisir, qui est de l'ordre de la jouissance, on est aux confins justement des deux, du plaisir et du déplaisir. Ça, c'est la jouissance, disons, dans une sorte de définition ordinaire. Mais ce que tu as décrit, c'est une forme de hors de soi où, en fait, le plaisir est vraiment de l'ordre du sublime. On s'oublie totalement. C'est une forme de jouissance extrême, de jouissance qui te fait sortir, y compris de ton propre corps, bien qu'il soit là, libre, mais tu es au-delà. Ça ressemble d'une certaine façon à la jouissance mystique. Oui, j'allais dire, je vais parler d'Ictane. Voilà, ça ressemble à ça, ce que tu as décrit, ça ressemble à ça. Je suis pas d'accord avec l'interprétation de la musique hors du temps. Parce que pour moi, la musique, ce n'est que du temps. Ce n'est que du tempo, ce n'est que du temps. Au contraire, je pense que c'est une des plus belles inventions de l'homme, c'est justement d'avoir réussi à maîtriser ce temps et à le rendre d'une façon sonore et d'une façon... linéaire, non linéaire, dans toutes les manières ordonnées et non ordonnées. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord à ce qui a été dit, qu'on s'oublie, qu'on n'est plus dans le temps. Au contraire, on est vraiment dans le temps. Bon, peut-être parce que je suis plus matérialiste, je suis moins mystique, mais je pense que la musique, c'est vraiment c'est le temps, c'est le tempo, c'est vraiment. Mais ce n'est pas contradictoire. Ça n'a pas de rapport en définitive. Toi, tu analyses la musique comme phénomène, la façon dont tu l'écoutes. Là, ce qui était décrit, c'est autre chose. C'est un mouvement d'écoute qui te décroche du temps. Mais ça ne nie pas le temps. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Non, ça veut. On peut le dire. On peut le dire autrement, c'est simplement qu'il ne pourrait pas dire combien de temps a duré cette écoute, parce que... Mais c'est évident qu'il y a besoin d'avoir du temps pour avoir une mélodie, puisque forcément c'est la manière dont se suivent les notes qui fait la mélodie, donc forcément c'est un déploiement dans le temps. Mais c'est vrai qu'on peut perdre la notion
de tout le reste du temps, c'est-à-dire de tout le temps qui continue dans le reste des activités pendant ce temps-là, quoi. Mais pour en revenir à la notion de mélange chez Platon, ce qu'il voulait dire quand il parlait de plaisir mélangé, c'était pas exactement que l'effet suscité par la musique et pouvait être un effet double, à la fois tristesse et joie, par exemple, ou à la fois plaisir et douleur. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'écoute de la musique ne répond pas à un besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un manque qui doit être comblé pour rétablir l'équilibre par la musique. On peut concevoir parfaitement une vie sans musique, surtout si on ne l'a jamais connue d'ailleurs. Donc par rapport au désir, évidemment, on n'a pas le désir de ce qu'on n'a jamais connu, donc voilà, il n'y aurait pas de manque qui s'imposerait. Et donc c'est en ce sens qu'il le classait dans les plaisirs non mélangés. C'était pas parce qu'en revanche, Platon connaissait très bien les effets de diverses mélodies sur les émotions, et donc il répertoriait d'ailleurs, pas seulement lui, hein, c'était très connu, de répertorier les types de rythmes qui suscitent différentes émotions. Donc il y avait les rythmes lascifs, les rythmes martiaux, les rythmes plutôt mélancoliques. Enfin, tout ça était répertorié, c'était connu que ça pouvait provoquer toutes sortes d'effets. Mais ce n'est pas en ce sens que c'est mélangé, ce n'est pas par rapport aux effets que ça produit, c'est vraiment parce qu'il n'y en a pas un besoin vital pour le corps, quoi. Même si c'est vrai que certains pourraient dire qu'à partir du moment où ils ont tellement apprécié, ils ne pourraient plus s'en passer, mais c'est pas à ce moment-là, c'est un besoin suscité, justement. Ce n'est pas un besoin naturel, c'est un besoin suscité. Et alors, par ailleurs aussi, par rapport à la musique, c'est très intéressant, parce que tu as parlé du plaisir intellectuel de la musique, que Platon considère que qu'il y a aussi deux manières de s'intéresser à la musique, ou la manière la plus triviale, c'est effectivement d'avoir du plaisir aux notes, et donc même du plaisir à jouer les notes. Et ça, c'est, dit-il, c'est en contact avec la matérialité de la musique. Mais que c'est beaucoup plus intéressant d'étudier uniquement le côté mathématique de la musique, c'est-à-dire justement de comprendre les écarts entre les notes, de comprendre les rapports, de comprendre que les harmonies sont fondées en fait sur les harmonies, ça veut dire des rapports réguliers. Donc toute cette décomposition mathématique de la musique, c'est ça qui l'intéresse le plus. Donc il est intellectuel jusqu'au bout, évidemment, hein, mais il connaît bien les deux, quoi, bien sûr. Et alors, c'est la même chose par rapport à cette expérience de n'être plus que attentif à une seule dimension de sa sensation, par exemple. C'est la même chose pour Platon, mais simplement, encore une fois, pour lui, ça ne sera pas par la sensation qu'on arrivera à être entièrement concentré dans une seule activité, ça sera, encore une fois, par l'intelligence. Et donc, il essaye de développer un dépouillement de toutes les autres fonctions, à l'exception de cette seule fonction de la pensée, pour n'être plus que penser, lui, justement. Et ça va être très fort renforcé par Plotin, avec un rapprochement, enfin une convergence de plus en plus marquée avec des techniques orientales de méditation, hein, donc de dépouillement par la méditation, pour faire le vide, sauf une concentration extrême sur une seule dimension. Alors dans ce cas, c'était une pensée. En revanche, l'expérience sensorielle, elle m'a fait penser à Merleau-Ponty qui parle de la peinture de Cézanne et qui dit que Cézanne a une expérience de la couleur telle que c'est même pas dans la peinture seulement, mais une expérience sensorielle telle qu'il devient couleur. Il a cette même expérience comme tu deviens musique, il devient couleur. Il n'est plus que cette vision de la couleur. Je pense effectivement c'est une expérience qu'on peut faire. Mais toujours Platon sera du côté intellectuel. Toujours ce sera sa préférence. Alors quand il la défend rationnellement, c'est toujours à partir des critères d'exactitude, de précision. Mais au fond, ça, ce sont des justifications a posteriori, non ? Pour justifier quelque chose qui est un plaisir, enfin qui est une préférence personnelle. Lui trouve son plaisir là, non ? Je pense qu'il faut quand même aussi prendre ses distances par rapport à ce qu'il dit et voir pourquoi Platon dit ça. En premier lieu, c'est
son plaisir à lui, il le trouve principalement dans l'activité intellectuelle. Et de fait, on peut avoir un plaisir immense, effectivement, à comprendre quelque chose de super compliqué ou de... Justement, par rapport à ça, évidemment, ça n'a pas un rapport direct avec l'exposé qui vient d'être fait, mais ça a un rapport avec l'ensemble. Par rapport à la poésie, bon, c'est vrai que Platon condamne la poésie dans la République. C'est vrai que, bon, il la restaure en partie une poésie qui serait éducative, mais quand même, lorsqu'on regarde l'ensemble de l'œuvre et ce qui vient d'être dit maintenant, en plus, bon, les dialogues dont on n'a pas parlé, par exemple, le Phédon, c'est quand même une formidable création poétique, Platon. Est-ce que vous pourriez préciser donc le rapport de Platon à la poésie, puis aussi par rapport à la raison? Parce que même si effectivement, ce qu'il aime, c'est dans la musique, ce sont les mathématiques, ou ce qu'il aime dans la poésie, c'est peut-être le côté éducatif, c'est quand même une œuvre de poésie. Mais la clé, je pense, pour cette question-là, c'est le Banquet et le Phèdre. Ce sont les dialogues où il développe, mais plus le Banquet et le Phèdre, dans la notion d'enthousiasme et de le fait d'être inspiré et d'être inspiré. Et donc, il y a une de ces inspirations, c'est l'inspiration poétique. Enfin, il dit des muses en général, qui, lorsqu'elle est vraiment, effectivement, lorsqu'effectivement elle nous dépasse, lorsqu'elle n'est pas simplement un effet du travail, de l'effort, mais que quelque chose nous soulève, qui nous dépasse, à ce moment-là, c'est une des manières de s'élever le plus qu'on peut, quoi. Donc, c'est extrêmement valorisé par lui, au même titre que cette élévation philosophique. Et que le délire amoureux. Les trois sont vraiment liés. Donc, c'est sans doute là qu'il y a la plus importante réhabilitation de la poésie en tant qu'elle peut provoquer une exaltation qui est nécessaire. Et ça rejoint ce qu'il mentionne ici dans le Philebe, mais assez rapidement, sur la beauté. La nécessité de la beauté. Alors la beauté vient de la mesure et de la proportion, mais c'est ce qu'on... En musique, c'est justement les harmonies, les mélodies qui viennent de rapports, effectivement, entre des notes, ou du tempo, enfin, etc. Il faut vraiment le convertir comme ça et se rendre compte que il faut prendre très au sérieux son affirmation qu'on a besoin de l'ensemble. On n'est pas dans le Platon exclusif. C'est vrai qu'il continue à mettre des priorités, des préférences, mais ce n'est pas une exclusivité. On a besoin du tout. Et donc, on a besoin de beauté et on a besoin d'amour, et on a besoin de délire. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout un hasard si, effectivement, ces dialogues sont rédigés de manière à être beaux. Il a un travail de la langue qui, effectivement, est beau. Son écriture, elle est recherchée, elle n'est pas banale, comme sera celle d'Aristote d'ailleurs. Et c'est une écriture tout à fait avec des beaux effets, et qui ne sont pas pour des raisons rhétoriques, mais pour des raisons de plaisir. Oui. Donc, reconstruire un Platon tout de même assez inclusif, ça, je pense que c'est utile. Et le recours au mythe, par exemple, dans le Phédon, où il explique donc, finalement l'immortalité... c'est un beau risque à courir, et donc, comme on ne peut plus avancer, on raconte une histoire. Oui, c'est l'intervention du mythe. Hein. Le recours au mythe chez Platon, effectivement, c'est Platon recourt au mythe, c'est-à-dire construit une allégorie, une autre manière d'essayer de faire comprendre quelque chose, toujours au moment où, par des arguments rationnels, on ne peut pas y arriver parce qu'il nous manque des éléments ou parce qu'on ne peut pas trancher, parce que ce n'est pas convaincant. Donc effectivement, à ce moment-là, il introduit les mythes et toujours quand il introduit un mythe, il dit qu'il a recours à des opinions qui nous viennent des prêtres, des devins, des anciens de la tradition, des anciens théologiens. Enfin, il reconnaît tout à fait que cet emprunt se fait du côté d'une tradition religieuse. Mais qu'il modifie vaguement à sa manière pour la rendre plus philosophique.
C'est-à-dire effectivement le mythe de l'immortalité de l'âme. Bon, c'est pas lui qui invente l'immortalité de l'âme, évidemment, il la trouve amplement dans la religion traditionnelle grecque, mais ou dans des sectes, disons, initiatiques. Mais c'est vrai que alors chaque fois, il y a introduit l'élément qui lui paraît le plus important. Donc notamment, ben, qu'est-ce qui fait qu'on se réincarne dans une chose ou dans une autre, toute cette dimension-là. Mais c'est vrai, c'est clair que Platon utilise des éléments qui ne sont pas strictement scientifiques. Bon, il me semble quand même qu'on peut distinguer comme plus faibles les dialogues qui reposent sur ce genre d'arguments et plus solides les dialogues qui n'ont pas du tout recours au mythe. Enfin, c'est vrai que, du coup, au risque d'être moi-même intellectualiste, je préfère plutôt cela. C'est plutôt sur cela que j'ai insisté, effectivement. Parce que du mythe, on ne peut pas faire grand-chose. C'est une histoire, et après, pourquoi est-ce qu'on doit croire que l'analogie avec cette histoire-là est plus vraie qu'avec n'importe quelle autre ? C'est de la foi. Et ça me paraît pas intéressant. Annick, est-ce que tu pourrais nous rappeler dans quel contexte exactement, dans la République, il est si critique vis-à-vis de la poésie, puisque au fond, enfin, il n'est pas tant que ça. Hein. Oui, oui. Il y a deux contextes. Au début, c'est, enfin, quand il parle de la cité et de l'éducation des gardiens dans la cité, hein, c'est à propos de l'éducation, il dit la seule poésie qui peut être utilisée à des fins d'éducation, c'est une poésie extrêmement morale, éducative, donc qui forme à l'admiration du divin, à l'admiration des héros, à l'admiration des vertus. Bon, voilà. Et donc il bannit toute la poésie qui ne correspond pas à ça, c'est-à-dire une grande partie de la poésie. Alors, pas toute, parce que... voilà, il parlait surtout d'Homère, hein, il parle surtout de l'épopée, de la tragédie aussi, hein, qui est une poésie. Mais si on prend par exemple un poète comme Pindare, qui est un poète très très connu à cette époque, c'est un poète qui exalte tous les vainqueurs aux Jeux Olympiques, qui exalte la divinité, qui exalte le patriotisme, enfin toutes les valeurs que Platon essaye d'instaurer dans sa République, elles sont exaltées par Pindare. Donc il pouvait reprendre tel quel tout des corpus de poésie. Il ne bannit pas du tout celle-là. Donc ça, c'est la première occurrence. La deuxième occurrence, c'est une condamnation plus ontologique. C'est quand il dit, donc, dans la ligne hein, des étangs et de devenir, on a la partie des corps naturels. Et par rapport à ces corps naturels, il y a des reflets et des ombres et des copies naturelles. Et puis, plus encore dégradé par rapport à ça, il y a les copies que font les êtres humains. Donc, alors, les êtres humains fabriquent quoi ? D'une part, des objets matériels, et d'autre part, des objets qui sont des copies de ces objets matériels. Et ça, ils le font ou par la peinture, hein, si on peint une pipe, ou par la poésie, parce qu'on décrit en fait des objets, la poésie décrit avec des mots des objets matériels. Et donc c'est chaque fois on s'éloigne un petit peu plus de l'être le plus étant, hein, le plus étantement étant. Donc comme on s'éloigne de plus en plus, ça a de moins en moins de valeur. Voilà. Donc la poésie, comme elle est une description d'objets matériels qui sont déjà des copies des idées, bon. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas en faire. Non, mais c'est vrai. C'est ça qu'il faut. Il faut bien voir la différence entre une gradation, hein, où on va du meilleur au moins bon, et une suppression. Ce n'est pas une suppression. Il semblerait que, quand j'ai relu les notes qui sont en ligne, là, c'est d'ailleurs très agréable, notamment dans la République, il y a beaucoup de régimes, on va dire, dictatoriaux qui ont trouvé des références chez Platon, et notamment le régime nazi. Et en revanche, ils y font référence. Ils ne font pas du tout référence, de ce qu'on peut connaître de leur sous-bastion philosophique, à Aristote, c'est-à-dire qu'il n'existe quasiment pas. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre Platon et Aristote, sans vouloir anticiper sur le propos à venir, qui fait qu'il y a une césure violente entre les deux, qui fait qu'on peut construire à partir de Platon, notamment de la République, des justifications de régime, on va dire, détestable, et
et pas du tout à partir d'Aristote. Tu veux répondre? Enfin, je crois qu'en fait, il faudrait, approfondir ce que signifie l'antiplatonisme à la mode et, ce qui tend à assimiler Platon à un précurseur de l'un et un précurseur du totalitarisme. Est-ce que il est, selon vous, est-ce qu'il est vraiment réel qu'on puisse déduire de la lecture attentive et sérieuse de la République la préfiguration du nazisme? Est-ce que ça vous paraît pas la préfiguration, mais en tout cas on peut. Enfin, quand on a eu le cours, on a été tous un petit peu choqués quand même par l'eugénisme, par la classification des individus. C'était quand même un petit peu. Oui, on y pense naturellement, je pense. En fait, c'est préfiguré au sens où ça va donner lieu obligatoirement. Je dis que le régime nazi y a fait référence. Je ne dis pas qu'il a trouvé ses sources. Mais en revanche, il ne fait pas du tout référence à Aristote. Il y a bien quelque chose qui s'est passé entre les deux. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, ils se pensaient, dans leur idéologie, ils se pensaient même en lien direct avec les Grecs. Hein, Mais la question est inverse. Hein, c'est-à-dire, ce n'est pas effectivement qu'est-ce qui, chez Platon, préfigure le nazisme, c'est plutôt comment se fait-il que les nazis ont pu trouver certaines choses, même effectivement en isolant des éléments ou en les déformant, mais enfin, ils ont pu trouver peut-être certaines choses chez Platon et n'ont pas pu en trouver chez Aristote. Et mais ceci dit, on a eu le même problème à propos de Nietzsche. Voilà pourquoi est-ce que chez Nietzsche, ils ont pu trouver des éléments, même en les déformant, même en les isolant, et qui n'auraient pas pu le trouver chez n'importe quel philosophe, ça c'est certain. Et donc c'est vrai qu'il y a l'eugénisme et qu'il y a le fait de d'une fixation sociale, mais en même temps, si les nazis avaient fait ça, ils auraient déjà fait mieux que ce qu'ils ont fait, parce que s'ils avaient vraiment voulu que chacun soit exactement à la place pour laquelle il a des bonnes dispositions, ils auraient fait une autre politique que ce qu'ils ont fait. Une politique raciale ne peut pas correspondre à ça, par exemple. Je veux dire, on ne pouvait pas considérer alors tous les juifs dans le même sac, par exemple. C'est absurde. Hein. Platon n'aurait jamais fait ça dans son classement, en différents groupes sociaux. Donc, encore une fois, c'est toujours qu'est-ce qu'on va chercher comme élément isolé en négligeant évidemment tout le reste. Mais alors pourquoi chez Aristote c'est impossible de toute façon? Et ça c'est tout à fait vrai. Je ne vois pas comment chez Aristote on pourrait aller chercher des éléments pour nourrir une dictature ou un régime totalitaire. Si ce n'est, ce qu'on a d'ailleurs fait, c'est on constate que Aristote, à certains endroits en décrivant les régimes, dit qu'est-ce qui fait que ce régime peut se maintenir? Et donc, il a l'air de donner, déjà comme Machiavel le fera, des conseils aux gouvernants pour se maintenir. Mais en fait, ce sont toujours des conseils d'adoucissement. Il dit même aux tyrans, si tu veux rester en place, tu as intérêt à être beaucoup plus respectueux, beaucoup plus correct, beaucoup plus ouvert, plus permissif. Et donc, en fait, ce sont toujours, des conseils qui font que moins le régime est mauvais, plus il se maintient. Donc, ce n'est pas du cynisme, c'est plutôt, je dirais, ça va dans le... Dans le sens du bon sens, quoi. C'est, moins il est dur, plus il se maintient. Donc c'est pas, on entend souvent dire ça, hein, que chez Aristote il y a une sorte de pragmatisme ou voire de cynisme, parce que il conseille tous les régimes, même les plus mauvais, pour se maintenir. Mais non, en fait, chaque fois qu'il conseille le mieux pour se maintenir, c'est de devenir moins mauvais. Donc voilà. Mais ça c'est un détail. Et sinon, pour tout le reste, effectivement, Aristote ne propose pas comme Platon toute une construction de A à Z de ce que serait la cité la meilleure possible. Ce qu'il fait, c'est comparer entre tous les régimes existants en voyant quels sont leurs défauts, leurs points forts. Et alors, en passant, chaque fois, il dit au fond qu'est-ce qui a sa préférence. Et donc, si on rassemble tous ces éléments de préférence, on voit que ce que lui préférerait comme régime, mais applicable là tout de suite, quoi. C'est pas quelque chose à construire de toutes pièces, c'est réalisable tout de suite. C'est un régime où tous les citoyens qui ont les capacités pour le faire
participe aux trois pouvoirs. Donc pouvoir délibératif, plutôt que législatif, puisque c'est prendre toutes les décisions, pouvoir délibératif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Et tous les citoyens qui en ont les capacités, ça veut dire tous ceux, enfin, ça veut dire qu'à tous, on doit donner une éducation, un enseignement complet pour pouvoir devenir justement un bon juge dans tous les domaines nécessaires de la politique, donc un bon juge en économie, en construction navale, en stratégie, en fait, en tout ce qu'il faut. Et donc, tout le monde doit recevoir cet enseignement. Et ensuite, seuls ne seraient pas admis éventuellement ceux qui n'auraient pas pu suivre l'enseignement, quoi, ou qui l'auraient refusé, ou ceux qui auraient une conduite morale telle qu'on ne pourrait jamais leur faire confiance. Enfin, voilà. Donc, c'est un tri a posteriori. Et donc, en fait, c'est clair que son système, c'est un système qui n'est pas démocratique au sens de la démocratie de l'époque, puisque la démocratie de l'époque, c'est tout le monde sans condition. Sans condition, sans formation, sans rien, c'est tout le monde absolument, sans aucun critère, sans aucune sélection. Alors que lui, pour lui, c'est pas l'ensemble, c'est pas tout le monde, c'est seulement ceux qui ont réuni ces capacités qui sont de l'éducation générale, quoi, de la paideia, hein, donc vraiment cette formation générale qui permet d'être juge, non pas expert justement, mais juge dans tous les domaines. Donc ça veut dire, enfin, d'après lui, un homme normalement constitué en est capable. C'est pas quelque chose qui demande des capacités intellectuelles spéciales. Donc en fait, voilà, c'est un système où il y a une très très large participation, même si elle n'est pas... Lui ne peut pas l'appeler démocratique, parce que la démocratie à son époque, c'est autre chose. Mais pour nous, c'est bien plus que la démocratie actuelle. Donc c'est ça aussi qui est difficile, parce qu'il y a des gens qui disent « Aristote n'est pas partisan de la démocratie », et d'autres qui disent Aristote est partisan de la démocratie, mais ça dépend quelle démocratie, évidemment. Celle de son époque, non. Mais beaucoup plus que celle de notre époque. Voilà. Et voilà, et chez lui, il n'y a pas tellement... il n'entre pas non plus dans autant de détails que... Il faut dire que la politique d'Aristote, elle est inachevée. Et donc, elle se termine... Enfin, on ne sait pas si c'est perdu ou si ça n'a jamais été écrit. Elle se termine justement au moment où il parle de l'éducation, où il essaie de détailler justement toute cette éducation. Et on ne sait pas s'il aurait proposé des mesures très, très directives en termes de sélection. Ça, tout simplement, on n'a pas de traces de ça. Mais enfin, dans tout le reste, ça ne s'oriente pas de la même façon, ça c'est sûr. Que chez Platon, principalement parce qu'il n'y a pas cette idée que c'est tellement difficile d'atteindre la science politique que c'est vraiment le cas d'une infime minorité de gens. Et ça, c'est justement, ça c'est la grande opposition. C'est ça qui détermine tout le reste. Dire, est-ce que la capacité politique est tellement difficile à atteindre que... De toute façon, on aura extrêmement peu de gens comme gouvernants, ou bien de dire au contraire, c'est une paideia générale, la plupart des gens, à moins d'avoir un dysfonctionnement particulier, peuvent y arriver, donc c'est la justification de la démocratie, quoi. Donc c'est difficile à récupérer dans un autre sens, quoi, effectivement. Et pourquoi Platon fait tant horreur aux responsables de l'art contemporain ? Monde de l'art contemporain. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours d'antiplatonisme ancien ? Mais parce que je crois que c'est principalement dû à l'ignorance, c'est-à-dire que on connaît quelques repères, pas du tout approfondis, pas du tout en détail, et donc voilà, on associe toujours 3-4 mots à chaque philosophe. Voilà, on parle de Descartes, on parle de la raison, mais il n'y a pas que ça chez Descartes. On parle de Platon, on va parler effectivement de l'état totalitaire ou bien de l'exclusion des poètes. C'est très superficiel. Enfin, et en fait, comme ce savoir superficiel, c'est le seul qui est transmis, qui se transmet de génération en génération, ben c'est ce qu'on reprend, c'est ce qu'on répète. C'est le malheur de la répétition de quelques petites idées attachées à chaque philosophe, quoi. L'exégèse. Non, c'est pas l'exégèse, c'est la... C'est le... Ça circule, hein. ça se transmet. Non, parce que l'exégèse, c'est,
c'est justement une étude. C'est le contraire, le fait de se contenter de si peu. Voilà. Pourquoi se contenter de quelques phrases attachées à chaque philosophe en pensant que ça, voilà, que ça le résume entièrement et qu'il n'y a pas autre chose. Mais c'est vrai, et c'est vrai pour tous. Je crois qu'on associe les conceptions artistiques qu'on peut dégager de Platon dans le sens où, comme il y a un idéal de la beauté, que la beauté est faite sur des mesures, il y a une certaine idée de la création artistique qui s'est constituée en particulier à la Renaissance avec des règles, et que, alors aussi bien des règles de création que des règles d'expression, etc., enfin toute une série de règles que l'on accorde avec plus ou moins de raison à l'influence du platonisme ou du néoplatonisme à un certain moment donné de l'histoire de l'art, et que la construction de l'art moderne et de l'art contemporain a été de bousculer ces règles, donc de bousculer aussi ce que l'on attribuerait à cette influence. Moi, je crois que platonicien est toujours... Et puis, il y a l'idée qu'on n'a pas pu admettre qu'il puisse avoir à la fois un art qui est fondé sur la mesure, sur les règles, et puis un art qui est fondé, ce que défend Platon, sur l'inspiration et l'enthousiasme. Et là, il y a une contradiction qui n'est pas assumée par leurs contemporains. Oui, oui, merci, ça c'est une belle réponse. Et du coup, ça me fait penser à Nietzsche qui je pense, a bien compris que ce soit chez Platon ou plus généralement dans le classicisme artistique de l'époque platonicienne ou un peu antérieure, les deux éléments sont inséparables et qu'effectivement, il ne pourrait pas y avoir cette dimension apollinienne extrême, donc cette recherche d'un canon de beauté tellement régulier, s'il n'y avait pas des forces souterraines immenses qui contrebalancent. Et donc effectivement, si on prend la tragédie comme une des expressions tout à fait classiques de l'art grec, les deux dimensions sont extrêmement présentes, évidemment, avec à la fois une fureur et un appel à... Et le constat d'une rigidité du destin, des dieux, ou de l'implacabilité de la condition humaine, enfin... Oui, tout à fait, le côté dionysiaque, oui. Mais je pense que chez Platon, les deux se trouvent aussi, c'est-à-dire que peut-être le côté le plus apparent ou le plus connu de son œuvre appartient plutôt à l'apollinien, avec toujours cette recherche de la mesure et de tout ce qui est contrôlé par la réflexion, par la pensée, mais en même temps, tout ce qu'on a vu dans Le Banquet et le Phèdre, cet élan complètement passionné, dépersonnalisé, où on n'est plus qu'un conducteur pour des forces qui viennent d'ailleurs, peu importe comment on les appelle, parce qu'il dit qu'elles sont divines, mais il les attribue à des dieux bien différents. Il y a les muses, il y a Eros, c'est pas très construit comme divin, c'est des forces qui nous dépassent. Voilà. Donc je pense que ça, c'est une expression du dionysiaque chez Platon. Oui. Justement, Nietzsche parle de la conversion de Socrate à la musique vers la fin de sa vie. Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça chez Platon, donc c'est Nietzsche qui est en train de... Je ne sais pas. De Socrate, la conversion de Socrate à la musique. Je ne vois pas. Converti, a découvert la musique. Je ne vois pas. Bon, mais je crois qu'on va aller remplir un petit manque. Merci à vous, à bientôt.